c'est Léa de Maman et Léa Cœur. Maman ? Bonjour ma puce, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors... Ah, mais tu as une couronne sur la tête ! Oui, c'est parce qu'on va ouvrir trois poupées. Trois princesses ? Oui, trois poupées de princesses. Tu peux nous les montrer ? Alors, il y a celle de Ariel la oui, petite sirène. Avec une belle robe bleue, oui. Vert. Ensuite... Il y a aussi la poupée de Mulan. Oui. Et aussi la poupée de Aurore. D'accord. Et aussi, il y a trois petits pots de Nom Nom. Ah oui, je vois. À côté de ta petite chenille. Oui, elle les surveille. Alors, on commence par la première ? Oui, on va commencer par la poupée Ariel. La petite sirène. D'accord. Oula, c'était plus facile. Pousse les papiers. Et je pense que je vais devoir avoir besoin de des ciseaux. Ton petit pot. Voilà, ciseaux. Pour prendre les ciseaux. La paire de ciseaux. La paire de ciseaux miraculeuse. Oula, il y a beaucoup de papier. Très joli Ariel avec ses cheveux rouges. Oui, très beau. Hop. Alors... Est-ce qu'on va avoir moins de mal à ouvrir les boîtes ? On va voir. Hop. Hop. On va voir. Déjà, ça s'est trouvé. Maintenant, il faut couper un bout comme ça. Là. Hop, comme ça. On va tirer. Ah oui. Elles sont bien protégées, les poupées. Ah oui. On va essayer de faire comme ça. Attention, Ariel. Garde bien tes doigts dans la boîte. Sinon, je vais te faire mal. On pousse les papiers. Ah, déjà, voilà. On y voit un peu plus clair. Voilà. Alors, on coupe les petits bouts de plastique. Hop. Les pieds. Il y a... Ici, elle a de très jolies escarpins. Hop, les pieds sont libérés. On va ouvrir les chaussures pour l'instant, sinon on va les perdre. On va enlever l'élastique ici. Ah, libéré. On va juste... Très joli. Ah oui, libéré. Comme la reine des neiges. Ouais. Attention à les chaussures, on va lui remettre quand même ses chaussures. On va pas la laisser pieds nus. Quand même, c'est une princesse. Alors, on va lui mettre ses chaussures. Waouh ! Alors, tu la poses ? Je vais vous la montrer un peu. Oui, mais de toute façon, on approchera pour bien voir les trois petites princesses. Ses cheveux sont très doux. Et très jolis, effectivement. Elle n'a aucun nœud, c'est très doux. Alors, on passe à la deuxième ? Tu l'assois ? Attends, oula ! Ce n'est pas très pratique. Hein. Allez, hop ! Les chaussures s'en vont, elles ne veulent pas rester sur la poupée. Oui. Alors, c'est on la pose. C'est des chaussures capricieuses. On la pose. Tu tournes la tête de la poupée vers nous, qu'on puisse la voir. Allez, voilà. Allez, regarde les abonnés. Alors, maintenant, on passe à la poupée deuxième. Poupée de Mulan. Poupée de Mulan. Attention. On va enlever tout le papier ici. Hop. Attention, Mulan. Wouh! On a fait beaucoup plus vite. Oui, tu deviens une experte. Par contre, ce n'est pas la même version. Là, vous voyez, c'est des habits complètement normaux. Mais là, le bustier. Ah, il y a un joli bustier brillant. Ouais. Plein de paillettes. Et beaucoup de paillettes. Toi, t'aimes bien les paillettes, ma puce. Oui. Tout ce qui brille. Oui. Il y a beaucoup d'élastiques aux pieds. Ah, encore. Les chaussures se sont prises avec l'élastique. Voilà. On va les laisser là. Alors, la tête. Bon, les cheveux, c'est sa coiffure. Toujours faire attention avec les ciseaux. Ne jamais rapprocher la tête. Là, ici. On coupe le plastique. Ici. Ah bah, dis donc qu'il y a 10 000 élastiques. Bah, comme pour l'autre poupée. Oui. Très jolis cheveux noirs. Très longs.
Ilana a de très beaux cheveux noirs et très longs. Ouais. Surtout. Mais un peu moins long que Réponse. Ah, mais c'est pas la même poupée, ma puce. Ouais. Hop. On va lui mettre cette petite barine. Hop. Voilà. Alors, on la pose à côté. À la fin, on les montrera mieux. Oui, bien sûr. Hop. Hop. Et à côté de sa copine. Voilà. Alors, la troisième. Oh, la belle Aurore. Très jolie, très jolie. Avec ses longs cheveux blonds. Celle qui était destinée à dormir pendant 100 ans. Oh, voilà, oui. Mais heureusement, elle est pas restée dans le sommeil pendant 100 ans. Bah non, heureusement pour elle. Ah bah oui, hein. J'aimerais pas être à sa place. Hein. Dormir pendant 100 ans. Elle a été réveillée par un beau prince charmant. Oui, qui l'a sauvée du sort de la méchante sorcière. Qui était vraiment bête. Pas bête, on va pas dire bête. Enfin, elle était vraiment. Elle avait lancé un mauvais méchante. Sort. C'était très méchant de la faire dormir pendant 100 ans. Oui, la voilà, gueule, justement, c'est pour ça que c'était un mauvais sort. Pourquoi? Pendant 100 ans. Hein? Pourquoi pendant 100 ans? Bah oui, et d'ailleurs, pourquoi la sorcière a-t-elle lancé le sort à elle? Elle n'a rien fait pourtant. Ah bah oui, mais justement, les sorcières, et pour se venger de ses parents. Les sorcières n'ont vraiment aucun cœur. Alors, on y arrive? Oui. Oula. Voilà, parfait, on pousse la boîte. Elle aussi, c'est la version où le buste est dur. Le joli bustier brillant. Oui. Ceci dit, ils sont peut-être durs, mais aussi beaucoup brillants. Même sa jupe. Et satinée, sa jupe. Satinée avec plein de petits brillants. Oui. Hop. Allez, les chaussures ne partaient pas. Ah, c'est bon. Les chaussures ne sont pas parties. Alors, le petit cou. Attention avec les ciseaux. Même pour la poupée. Bah, surtout pour toi. Oui. C'est de l'élastique. Difficile. C'est de l'élastique. Ah, voilà. Après, le bras. Il peut bouger, donc ce n'est pas le bras. Ça doit être les cheveux derrière. Ah oui, là. Non, c'est bon. On peut tout faire de ce côté. Le bras peut bouger, le bras peut bouger. Ça peut bouger. Alors, plus difficile que les autres? C'est parce qu'elle a beaucoup de cheveux, alors ça se voit moins. Ah, j'ai trouvé. Ce sont des petits élastiques. Attention à ne pas couper les cheveux de la poupée. Ah, voilà. Elle a de très beaux cheveux. Très jolis cheveux blonds. Je vais juste les faire comme ça parce qu'ils sont un peu plats quand ils sont dans la boîte. On la pose juste à côté des deux autres princesses. Comme ça. Hop. Pose la poupée à côté des deux autres princesses. Sa jupe est un peu pliée. Hop. Voilà. Les trois amies. Oula. J'ai l'impression qu'Aurore a du mal. Alors. Enfin, elle, c'est comme ça. Elle a du mal à s'asseoir. Maintenant, on va passer aux capsules nom nom. Oui, aux petites boîtes de nom nom. Comme des petits pots de yaourt. Or, normalement. Oui, trois petits pots de yaourt, on va dire ça comme ça. Comme ça. Oula. Allez, le dernier coup. Bon, on va prendre les ciseaux. Décidément, hein. Eh bien, oui, c'est bizarre, hein. On a du mal, hein. Ah oui, les nom nom, ce sont des petites figurines. Enfin, très très molles. Qui sentent très bon. Ils ont un parfum. Et on va découvrir le parfum mystère. Alors, il y a la collection. Très longue, regardez. Oula. Ça n'en finit jamais. Il y a une grande liste de nom-nom. Et tout ça. Et tout ça. Et puis, il y a plusieurs collections aussi. Oui, il y a beaucoup de collections. Alors. Oups, j'ai vu un. Une rondelle de tomates. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a deux par paquet. C'est très squishy. Alors, c'est compliqué. Alors, voici. Oui. Le nom nom. Oui. Regardez. Alors, là, qu'est-ce que contient cette petite boîte? Alors, après, il y a ça. C'est un petit gloss. On va. Les ciseaux pour que je vous le montre. Car c'est très bien emballé. Hop. Et là, vous voyez, c'est un petit. Montre-nous. Ah petit oui. Gloss. Très joli.
Attention, on va remettre ça. Hop. Voilà. On va les poser à côté. Voilà, on ouvre le deuxième. Nom nom. J'espère que là, j'aurai plus de chance. Je pourrais l'ouvrir. Bon, c'est pas. Décidément. Aujourd'hui, on aura beaucoup utilisé les ciseaux. Oui. Par contre, cette tisse, on la garde. Oula. Bon, la notice, on a déjà. Au revoir, le pot direct. Ah oui, on n'a pas vu de quelle senteur. Ouais, ça sent le plastique. Alors, ouh, c'est mignon. Regardez, ah. C'est un petit gobelet de soda. Oui. Regardez la petite paille. Et qu'est-ce que contient la petite boîte? Alors, c'est un tampon. Ah. Qui fait une grappe de... Une grappe de raisin? Oui, je pense. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Hein, parce que c'est compliqué par contre à cela. Ah oui, d'accord. Un bout de colle. Ah, voilà. Non, on va tirer par le plastique. Et on va l'ouvrir comme ça. Comme ça, je vais vous montrer. Ah oui, c'est un tampon. Avec une grappe de raisin, donc. Oui. Hop. On le pose à côté. Allez, hop. Et on ouvre la troisième boîte. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir la dernière boîte. Hop! Oula! C'est une montagne de papier. Oui. Hop. Ah, il y a beaucoup d'emballages. Hein. Oui. Allez. Le troisième nom nom, que contient-il? Nous allons voir tout de suite. Est-ce que c'est un double? Est-ce que c'est un pour l'instant, on n'a aucun double. Donc, peut-être la chance. Est-ce que... Ouh, je vois du rouge. Ah, ce n'est pas du tout le même. Mais ce nom nom n'a l'air pas très content. Alors, on va le sortir. Montre-nous. Il n'en est pas très content. Ah oui, effectivement. Ça sent bon. Alors, et tampon, là, gloche. Tampon. Ah, c'est encore un petit tampon. Ça représente qui fait quoi? Une cerise. Ah. On va le déballer. Hop. Oula, le bout de plastique a sauté. Oh, il n'a pas dû sauter bien loin. Ah oui, il était là. Alors. Oula. Ah oui. Ah oui, le petit tampon. Alors, tu le poses à côté des deux autres. Hop. Alors, plus exactement, des quatre autres. Puisque, une, deux, trois, quatre. Ah oui, mais moi je compte, oui, compte un nom-nom, je compte un seul. C'est mieux, c'est mieux. Ça fait trois pour moi. Donc, tu pousses un peu les emballages sur le côté où il y a les poupées. On décale un peu les poupées. Voilà, pour qu'on les voie bien. On va pousser la Alors, montagne de papier. Nous avons Ariel. Nous avons Mulan. Très jolie avec les beaux bustiers brillants. Nous avons Aurore. C'est très beau. Et nous avons ouvert trois petits nom-noms. Voilà. Oula. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans la vidéo, ma puce? On va tous les séparer. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette vidéo? Eh bien, je n'ai pas de préférence, c'était tout. Tu aimes tout, tu adores les princesses de toute façon. Oui, c'est en plus... Elle a les cheveux. Tu ouvriras d'autres princesses dans les futures vidéos? Bien sûr que oui! D'accord, ma poupette. Ils sont tellement belles, ils ont les cheveux tellement doux. Oui, c'est vrai que c'est très joli et très agréable. Très joli. Alors, il est temps de nous dire au revoir, ma poupette? Oui. Alors, si vous avez aimé, laissez plein de commentaires. Et aussi plein de pouces bleus. Au revoir, les amis! Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma puce. Au revoir.